Ouais, des fois en fait faut pas chercher trop compliqué quoi, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns par ici, mais il y en a, c'est avec le DLC, donc on va pas les faire tout de suite parce que je crois que je peux pas. Il me semble qu'il faut que je finisse les prodiges avant. Par contre, il y en a un dans le domaine Zora. Logiquement ici, je sais pas s'il y a besoin des prodiges pour celui-là. Là, il en faut un. Après, il y en a un par là. Pas mal. Et il y en a un sur une île ici. Celui-là, il est galère à atteindre, je crois. C'est sur une espèce de montagne, mais ça fait une tour. Bon, normalement, ça devrait aller à présent. Mais tout de même. Et il y en aura un là, mais ça, je crois qu'il faut amener un truc. Il faut faire tout le tour avec. Pour aller au centre du raisin, là. Du pain en raisin. On va démarrer depuis Varuta. Ouais, je le fais à la map interactive là. Alors, il est devant moi un peu à droite. C'est à la fin quand tu trouves plus normalement? Non. J'ai déjà fait deux fois le jeu, une fois en expert à 100% avec les 900 Korogu. C'est bon, le jeu je l'ai déjà fait quoi. Là c'est juste pour me refaire un petit peu le... Bah, le jeu avant la sortie de l'autre. J'y vois pas de réel défi en fait. Les Korogu, je les ferai même pas. Je fais pas les 100%, ça m'a suffi une fois. D'ailleurs, je l'ai fait sur ma partie en expert que j'ai toujours. Puisque là, t'as une sauvegarde en normal et une sauvegarde en expert. Mais comme je l'avais dit au début où j'ai commencé cette série. Enfin, que j'ai recommencé cette série, je prends pas de plaisir en expert. Je trouve ça chiant à jouer. Je vois pas où il peut être celui qui est ici. Je pense qu'il y a une stèle ou je sais pas quoi. Ah bah oui, je la vois. Du coup, la boulette, elle est peut-être là-haut. Ah non, c'est pas une boulette. Faut faire un truc ici. Mais alors quoi? On n'a pas de plaque pour nous aider. Habituellement, c'est accompagné d'une petite énigme quelque part. Mais là, on n'a pas l'air, hein. Je vais aller voir en haut. À mon avis, c'est pas anodin cette cascade là de Serra. Je crois que tu l'avais juste fait jusqu'à Ganon il y a 3 ans et que tu redécouvres le jeu. Ah non, non, je l'ai poncé de fou. J'ai commencé en normal où je l'ai pas fait à 100%. Je crois que j'avais fait quand même tous les sanctuaires sur la partie en normal. J'ai un petit doute. Et après, je l'ai refait en expert et celui-là, je l'ai fait vraiment à 100%. Et c'était dur, hein. En fait, c'est les Korogu qui... On en a parlé plusieurs fois justement sur les différents lives, mais en fait, la récompense, elle n'est pas à la hauteur de l'effort. Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de trucs possibles. Qu'on a retenu, c'est par exemple une tenue qui permet de monter, enfin d'escalader quand il pleut. Ça aurait pu être bien. On avait aussi parlé d'un autre truc, c'était quoi déjà? Oh, je sais plus. Enfin, y a plein de trucs possibles. Il y a le fait de plus avoir de jauge d'endurance. Ça, c'était sympa quand même.
Ouais, un caca doré, ouais. Bon, bah, je vois pas pour ce truc-là. Du coup, je reviendrai plus tard. Je vais juste mettre un petit truc ici. Une étoile. Et puis, on va passer à l'autre. Qui est par là? En plus, vu ce qu'ils ont ajouté avec les DLC, ils auraient pu faire quelque chose de bien avec les corbeaux. Ce serait surcheaté le truc de 100 endurance? Ouais, mais comme t'as ramassé les 900 corbeaux, t'as plus rien à faire, donc c'est juste pour du plaisir, tu vois, d'aller se balader et tout ça. Ah bah tiens, c'est celle-là que j'avais aperçue et que j'ai pas fait. J'ai plus de marteau, mais c'est pas grave. Je sens que je vais me prendre la foudre là. J'aime pas trop les faire à la bombe ceux-là parce que des fois les cailloux ils s'envolent, tu sais pas où ils se trouvent. Du lourd routier, ouais. Bon, apparemment il n'y avait pas d'autres. Pas mal. Par contre, j'ai pas de morceau de linelle pour améliorer ma tenue du barbare. Hein. Mmh. 500, ça va. Elles sont beaucoup trop stylées. Je m'attendais à un homme fort et musclé, mais je suppose qu'un jeune homme délicat fera l'affaire. Grâce à toi, j'ai retrouvé mes pouvoirs. Pour te remercier, je vais renforcer tes vêtements. Toutefois, pour ça, il me faudra des matériaux. Bah oui, on va t'en donner si on en a, mais j'en ai pas, je pense. J'en ai pour ça. C'est déjà bien. Tu m'étonnes, j'ai fait un carnage dans les rivières. Ouais. Les lézards tempo. Le Nightbot, il envoie combien de messages? Bah, il en envoie et puis après il dit plus rien pendant un moment. Là, on se mange tout parce que personne parlait depuis un moment. J'ai pas très envie de donner mes saphirs, moi. Je crois que ça, je vais pas y toucher. Quoique, je pourrais. Allez, c'est parti. Ça, je le mets souvent, donc je mets pas forcément les autres éléments parce que j'en ai besoin. D'autres pour la chaleur, la nage ou de ces trucs-là, mais le bordage, je le mets souvent.
Ah mais si, je l'avais noté. J'avais mis un petit cristal. Ok. Tu peux le renommer le Nightbot? Je crois pas. Je ne crois point. C'était quoi? C'était le bleu. Est-ce que je vais vers le bleu? Le bleu, c'est plus par là en vrai. Il y a les cailloux en plus. Dommage, t'aurais pu faire le botox. Pas mal, pas mal. En avec un. C'est où déjà que tu ramasses les marteaux, Kendoza? Tu m'avais dit ton spot là, j'ai zappé. Donc, je vais aller en chercher un ou deux. Là. La maison du village des limites. Des milites. Merci les gars. Je sais pas s'il y a un spot pour ceux qu'on peut balancer en estoc. Parce que ceux-là, ils sont trop bien. Bonne nuit, chat noir. Mince, j'ai tapé trop tard. Ah non, je vais rouler jusqu'en bas. C'est bon. Bon, ça sent le korogu. Il faut ramasser les bonnes pommes. Ça va être un véritable enfer, celui-là. Surtout s'il y a un cochon qui traîne dans le coin, là. Alors, faut garder celle qui est sur l'avant-dernière branche. Vas-y, la dernière, je vais pas me casser la tête. Il doit être dans le creux. Des cailloux là-bas. Non, ça s'est arrêté. Bon, il doit être à l'intérieur de ce truc-là. Il doit y avoir un caillou à casser, hein, que ça m'étonnerait pas. Peut-être plus bas aussi. Hein. Le fait qu'il y ait un courant d'air là. Peut-être bien pour cette raison. Oh, quoique, attends, il y a des cailloux partout là. Ça, à mon avis, c'est pas anodin. Il y a un truc à faire.
D'accord. Non, non, on va pas y aller au caillou là. On pourrait, hein. On pourrait carrément. On tente? Ce serait marrant d'y arriver. Ça va un peu trop haut là. Ah non. J'aurais dû y aller à fond en fait. Je pensais que ça allait grimper tout de suite, mais non. Dommage, il n'y en a aucun autre qui est dans le. Ah si. Non, l'autre il va être complètement de traviole. Bon, bah on va y aller à l'arc. Dommage, j'aurais bien aimé réussir à le péter au caillou. Bien. Non, non, il y en a plusieurs en plus. Ok. Ça va être juste pour monter. Non, c'est bon. C'est bon, vite fait, hein. Juste, très juste. Ouais, je vais pas tarder aussi. J'aimerais faire celui-là quand même avant. Allez. Quatre-vingt-quatre, c'est pas mal. Je vais me mettre trop près, j'y arrive jamais sinon. Ah, et là j'étais trop loin. Oh, je m'y ferai pas. Parfait. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça vaut beaucoup mieux cela avec l'épée de légende. Tu casses pas 36 armes dessus, quoi.
Du coup, ça m'en fait 84. Il en reste 36. Demain, on se fait le quatrième prodige. Après quelques sanctuaires. Ensuite, on se fait l'Aude au prodige. Et le reste des sanctuaires, et ça sera très bien. Ça sera bien rythmé, quoi. Et bonsoir Nanatoru, Az, comment ça va les gars? Alors, ceux-là, on va pas y toucher tout de suite, hein. Je les laisse de côté. Pour le moment, ils me dérangent pas, donc je peux les laisser. Et on va se diriger par là. Je vais mettre un point ici. Il faudrait que je trouve la route qui permette de monter. C'est peut-être bien celle-ci. Il faut pas se jeter dans la montagne comme ça, parce que j'ai un PNJ à rencontrer, me semble-t-il, pour récupérer une tenue ignifuge. Donc, si je commence à monter n'importe où, à mon avis, je vais pas le rencontrer. Par contre, je vous avoue que je sais plus où il est. Moi, je pense que comme il y a une route par là, c'est pas déconnant de passer par là. D'ailleurs, on va se TP ici plutôt. Ouais, moi ça va impeccablement bien. Quand même démarrer la petite appli qui va bien. En vrai, c'était pas forcément cette route. Je vois qu'il y en a une autre. Mais on va quand même aller voir. Oh, c'est où? On se calme, jeune fille, là. Sors Kendoza, comment vas-tu? Il me semble que pour avoir plus de chances de déclencher la lune de sang, il faut taper beaucoup d'ennemis. Alors je sais pas si c'est une véritable info ou si c'est fake, mais j'avais lu ça à une époque. Ouais, moi ça va super, merci. Ça marche du tonnerre cette arme là. Ça t'apprendra à faire coucou. Ouais, car la lune de sang sert à libérer de la mémoire en remettant certains trucs à leur place d'origine. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, ce serait pas déconnant. Bon, en fait, la route, elle s'arrête ici, j'ai l'impression, hein. Mais je vais quand même aller voir par là un petit peu. Tant que je brûle pas, j'ai envie de dire, ça va. Et voilà ceux-là. Ça, c'est de l'argent sur patte, hein. Faut y tuer.
C'est ce que t'as entendu? Bah moi j'ai lu un truc dans le genre, effectivement. Bonsoir Evenflone, comment vas-tu? Je vais me le prendre dans la tronche celui-là. Evenflone, Evenflone. Ça me donne envie de regarder Scaflone ce soir, ça. Ouais, je savais que ton pseudo était hein, inspiré de ce truc-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ton pseudo, je me dis, tiens, est-ce que je me le rematerai pas encore une fois? Et j'ai genre regardé l'animé encore il y a 6 mois. Hein. Mais j'aime tellement cet animé que ça me dérangerait pas en vrai. Ne serait-ce que pour les musiques, qui sont juste fantastiques. Hey. Ah, tu l'as vu qu'une fois? D'accord. Mais il faut remédier à cela. T'as détesté le film? Oh, le film, je le trouve vraiment très intéressant. Plus sombre. Je pense qu'il est plus proche du manga, j'ai pas lu le manga. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit un manga justement relativement sombre par rapport à ce qu'on a vu sur, sur l'animé. Qui n'est pas non plus un animé plein de tendresse. Hein. Attention. Mais c'est Nanatoru, faut utiliser un badge personnalisé, je crois. Je vais pas les laisser par contre. Et j'ai encore de la place pour des armes? J'en ai perdu tant que ça? Ah non, c'est vrai que j'étais allé voir l'autre. L'autre Korogu là, Noah. Noah et les Minimoy. Bon, c'est pas ouf à l'épée, mais j'avais pas envie de courir après les cailloux là. J'arrête pas de conseiller ce manga. Mais les gens sont pas motivés à cause des graphismes. C'est particulier, mais. En manga, je sais pas. Je t'avoue que. Moi, les mangas, c'est. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Moi j'aime bien pouvoir mettre du son et une image, enfin plutôt une animation à l'image. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Ah, tu voulais dire animé. D'accord. Oh, ça saoule quand les ennemis glissent comme ça. Ça, c'est le genre de bouclier que j'aime bien. Un truc sobre. Mais j'en ai déjà un comme ça. Et je crois que ceux-là sont mieux quand même. Ah, je sais pas. Non, peut-être pas celui-là. Je sais pas s'ils sont plus résistants. Selon leur type. Parce que oui, déjà, il y en a qui sont résistants au feu par rapport à d'autres, puisqu'ils sont en bois. Ou s'il faut juste, bah du coup, se fier aux chiffres. Ça, j'en sais rien. J'ai jamais su.
Salut les copains. Au revoir les copains. Je pense qu'il y a un caillou qui a dégagé je sais pas où. Ah quoique, c'est peut-être cela. Ici en tout cas on va bien s'enrichir. Parce que des cailloux il y en a. Hein. Bonsoir Exterminiqueur, comment vas-tu? Ah zut. Bon c'était un silex je crois. Wow. Quelle est cette sorcellerie? Fin de semaine donc ça va? Ouais tu m'étonnes. J'avais hâte d'être en week-end moi aussi, je sens que ça va filer encore. Oh y'a un caillou en bas mais flemme de descendre là. Alors je suis où? Bah j'ai carrément quitté la route en vrai. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Vol. Toi, c'est les soirées de semaine qui fait de la toute vitesse. Moi aussi en vrai, hein. Je vais pas te mentir. Oh, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça, c'est con là. Et genre en plus, il s'arrête pas. Bon, j'atteins un certain sommet là. Pas spécialement celui que j'attendais, mais... On va faire avec, tiens, il y a un souvenir. Ça tombe bien, je les ai pas vraiment faits. D'ailleurs, va falloir que je passe, que je parte en chasse de ces fameux souvenirs. En gros, le chantier est à 1h30 du dépôt le matin et minimum 1h45 le soir avec les bouchons. Donc on rentre au mieux à 18h. Je compatis. En tant que parisien, je sais ce que c'est que les transports. Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera.
Cette tête, justement, c'est quand t'es pris d'une chiasse soudroyante alors que t'es dans les transports et qu'il te reste 1 heure et demie de trajet. Bon, là par contre, je vais cramer si je passe par là-bas, je pense. Je sais pas si c'était la bonne route pour se diriger vers la montagne, en vrai. Je pense que j'aurais dû prendre plutôt une route qui est par ici, mais je sais pas. C'est un détail dont je me souviens pas, ouais. Là, je suis déjà en train de cramer, donc je vais pas pouvoir poursuivre par ici. Et à mon avis, par là, c'est la même. Ça m'embête de taper ça quand même à l'épée. Voilà. Ça suffit ou pas? Peut-être mettre les trois. Non. Une suffit. Ouais, là aussi je vais cramer, je pense. Ok, on passe par ailleurs. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai débloqué le souvenir, donc c'est déjà pas mal. Et je sais le chemin qu'on va suivre. Si je pars dans le mauvais sens, ça va pas marcher. À mon avis, c'est plus par là-bas. J'ai fini mes sanctuaires, j'en ai 47. Comment ça, t'as fini tes sanctuaires? Si t'en as 47, tu les as pas finis? Ah oui, ceux que t'avais trouvés, c'est vrai que toi tu les avais repérés, mais tu les avais pas fait. C'est ça? Me semble-t-il. Ah, il y a un relais de cheval là-bas. Ben, on va peut-être bien passer par là en vrai. C'est pas déconnant, comme j'aime dire. Oh, j'ai envie de faire un petit carnage. Je suis d'humeur à les pourrir ceux-là. Ah, il y en a un blanc. Ils sont costauds ceux-là, je crois, de souvenir. Eh, t'arrêtes, hein. Il y a de la racaille ici. Pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Lâchez-moi. Il me faut une autre arme. Je vais mourir. Non, parce que j'ai le pouvoir de Mifa. Je vais pas réussir à le lâcher, ça. Ils sont trop nombreux. Voilà ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Ah, il reste un rescapé. Bah, le blanc, évidemment.
Et les plus costauds dans ce jeu, je crois. Au moins, je récupère plein de trucs. Allez, en route. On va pouvoir récupérer Epona, mais je sais pas s'il y a une grande utilité dans cet endroit-là. Hein. C'est un peu l'enfer ici. Est-ce que ce sont des lézards Inifus, ceux-là? C'est bien, hein? Inifus. Je m'étais trompé dans le nom. Je sais qu'il m'en faut un... Pourquoi il a fui, celui-là? Qu'il m'en faut un paquet. Si je veux espérer avoir une armure gratuite. Enfin, du coup, elle sera pas gratuite. Elle me coûtera des lézards. Mais je sais plus où c'est. Mais ça, c'est pas très grave, on va trouver. Il doit être sur la route de toute façon pour la montagne. Comment ça se fait qu'il a pas éclaté, tu vois. Tu commences la tournée à quelle heure, Nanato? T'as quand même un rythme de vie vraiment très bizarre, mec. Tu dors deux fois par jour. Et c'est pas des siestes, quoi. J'ai joué en mode infiltration, où j'ai pu tester l'IA du jeu, qui ne me repère pas alors que je bouge de 30 cm et que je les snipe à l'arc. Il y avait en tout 6 monstres de cochons avec des haches et 4 moblins, j'ai bien rigolé. Ah non, pour ça, il est sympa, le jeu. Et l'IA est pas si mal que ça, en vrai, hein. Forcément, je vise pas, ça marche pas. Évidemment, ça part de ce côté-là. Oh, relou. ou 4h, on est samedi donc il y a grande chance de retard camion. Et tu fais quoi quand c'est comme ça? T'attends? Mais il y en a un par là en fait. Non, plus par ici. En plus, il y a eu la lune de sang, ils ont tous respawn. Ah, j'aimerais bien avoir la lune de sang, moi, pour faire le sanctuaire associé. Même si je sais plus trop où c'est. Je pense que c'est dans le coin, là. Peut-être au-dessus, en vrai. C'est là-bas. Impeccable, si j'en fais sur la route, c'est très bien. Ce soir, faut que je fasse minimum 90 sanctuaires. Enfin, il faut pas que j'en fasse 90 autres, il faut que j'atteigne les 90. Je pense que j'aurai pas trop de mal. Mais ça dépend, parce que si je fais la créature divine ce soir, ça va me prendre quand même un petit moment. Bon, on va voir. Ah ouais, répandre le feu, évidemment.
J'ai pas de torche, bon, on va y aller à la flèche, hein. Pas trop le choix. En plus, j'ai pas de flèche non plus classique. Heureusement, j'ai beaucoup de flèches de feu. Je crois que j'ai pas besoin de shoot. C'est ça et ça marche, non? Faux. J'ai peut-être une arme. Ah oui, j'ai des armes en feu, donc normalement j'ai juste besoin, je crois, de bah, soit de faire ça. Je sais pas si en m'approchant ça suffit. Non. Ça serait très grave. Bon, après il est relativement simple ce donjon. Planning de ce soir, on fait 150 sanctuaires, il n'y en a que 120, mec. Et on s'arrête pas tant que j'ai pas fini. Ça, c'est une bonne arme, je crois. C'est bien pour casser les cailloux, encore une fois. Me semble-t-il. Est-ce qu'on a tous les coffres? Non, évidemment, puisqu'il faut une clé. La clé, bah, elle est là, je pense. Non. Alors, il faut peut-être tout casser pour avoir la clé. Ça, je vais pas les casser. Il est possible que ça me serve. Ah, mais non. Il y a un truc ici. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Si. Ouais, alors par contre, la clé qui passe pas entre les barreaux. J'avais réussi à m'enfermer avec la clé ici. Comment t'as fait? J'ai tous les coffres. Hein. Impeccable. En même temps, un brise rock, ça coupe pas des arbres. Tu donnes pas sa chance au produit. Je suis passé par-dessus, mais je sais plus comment. Ah. Bon, après tu peux toujours te téléporter, donc ça va. Heureusement. En fait, le brise rock c'est surtout bien contre les monstres de pierre. Ça leur fait des bobos. Nous on veut des cailloux qui valent des sous. Ça c'est d'où je venais, je crois. Ouais, tout à fait. Donc on va plutôt se diriger par là-bas. Attends, attends, c'est d'où je venais, oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Je vais prendre de la hauteur. Ouais, je vais plutôt aller là où il y a l'autre sanctuaire. C'est là-bas qu'il faut aller. On va bien aimer trouver d'autres lézards quand même. Hop hop hop. Plus personne ne bouge. Ça veut la discrétion un peu? T'as vu un penny?
Un poney, tu veux dire? Bon, eux, je pense que je vais les laisser tranquilles. Quoique. Je meurs d'envie de balancer une flèche dans le tonneau explosif là quand même. Hein. Oh oui. C'est trop bien. Vol. Ouais, en fait, je vais les tuer juste pour avoir le brise rock. Il a pas lâché des flèches l'autre là? Elles sont peut-être là-haut. Ouais. Bon, bah on va y aller franchement. Mince. Il y en a deux quand même. Ouais, en plus eux, ils donnent des bons trucs quand même. Hein. Un petit saphir là ou un rubis. Eh bien, j'en ai cassé des armes là. Mais c'est bien, comme ça, ça fait de la place pour les autres. Ah oh ouais. On m'a filé deux topazes l'autre, plus un saphir. Alors, celui-là est intéressant pour la durabilité, donc on va se faire plaisir. Ouais, ça tu l'as dit, il m'a saucé. Allez, il est où le truc avec le cheval là? Par là, me semble-t-il, mais j'ai un doute. Je le vois plus. Non, il est en face de moi. En fait là j'ai moyen d'avoir beaucoup beaucoup de thunes je pense parce que bah, j'ai pas vendu grand chose. Ça fait un moment que je cumule tout ça. Donc à mon avis l'effet ça va être pas mal. Franchement, c'est la régalade ici, hein.